Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouvel épisode placé sous le signe d'une nouvelle snapshot, la 24W11A, si je ne me trompe pas, et des nouveautés. Alors, nouveautés que je viens de découvrir à l'instant sur les informations tirées du site officiel, c'est l'apparition d'une masse. Une nouvelle arme qui va venir s'installer, je l'espère, rapidement dans notre inventaire. Alors moi, je suis pas trop un batailleur, je suis assez nul au PVP, mais voilà, c'est la nouveauté de cette snapshot et il va falloir qu'on trouve comment elle se fabrique. Et pour l'instant, j'en ai aucune idée. Alors, je me dis que je vais peut-être aller voir, hop là, certains de mes villageois, et en l'occurrence les fabricants d'armes. Peut-être que ça serait lui qui me proposerait ça. Alors, l'armurier, non, toi tu me proposerais pas, bien sûr, car ce n'est pas une armure. Alors, le forgeron, toi t'es pas encore là. Et toi ? Non plus. Donc ce n'est pas vous qui allez m'aider, semble-t-il, pour ça. Donc pour l'instant, très peu de détails sur cette nouveauté. Et moi qui me préparais à aller à la recherche des nouveaux loups, j'en ai vu des visuels sur internet et j'ai hâte d'aller les trouver en vrai. Donc dans la jungle, par là-bas. Dans les Badlands, bah, par là-bas aussi, dans le désert, il me reste juste les biomes taïga enneigés, où là, par contre, je ne pense pas en avoir aux alentours, donc ça va être un petit peu plus compliqué à trouver. Alors, on se fait une petite pause ici, avec une vue sur la porcherie. Il n'y a plus de place. Hein. Hop, et on va aller scruter ce qu'il se passe de l'autre côté. Donc sur l'écran d'à côté, avec cette masse qui, semble-t-il, donc devrait être utilisée. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser? L'attaque spéciale de cette arme en sautant d'un endroit élevé et regarder vos ennemis se faire renverser. Ah oui, donc c'est une arme bien violente et on pourrait la fabriquer soi-disant en combinant. Alors, la traduction est très mauvaise. Craft this new weapon by combining a breeze rod with a heavy core. Ah, un nouvel item qu'on peut trouver en débloquant une chambre d'essai. Ah bah voilà, une chambre d'essai. Ça, je sais où j'en ai. Pas très loin d'ici. On va aller faire un tour à la chambre d'essai. Et on va aller voir... Et on va aller voir si on peut récupérer cet élément-là. Allez, hop, on va reposer ça ici. Ça, c'était pour prendre... Ouais, vous voyez, hein, je m'étais préparé pour aller me promener et tenter d'aller trouver des loups. Et puis, en passant, je m'étais dit, oh bah si je peux me faire des nouveaux amis. Alors, si vous trouvez lequel c'est, vous êtes très fort. Ou alors, c'est que vous avez suivi les dernières vidéos... Avec des graines comme ça, qui sait qu'on pourrait amadouer. Je vous laisse réfléchir. Et ça sera pour un prochain épisode. Parce que donc là, on va descendre donc dans la chambre d'essai. Aller dire coucou au Breeze. Et on va tenter de récupérer donc cette nouveauté. Donc je vais laisser ça ici. Je vais récupérer les clés. Des épreuves, on sait jamais, ça peut peut-être servir ici. Et ça, il faudrait que je m'en débarrasse. Donc je ne descendrai pas sans mes loups. Ça aide toujours. Donc on en avait parlé, hein, de ces armures qui se dégradent au fur et à mesure qu'ils prennent des dégâts. On le voit bien. Hop, je vais me débarrasser. Ça. Non, ça je vais peut-être le garder, ça aussi.
En fait, j'ai jamais envie de me débarrasser de quoi que ce soit. Et donc, je pars toujours avec trop de choses. Mais bon. Alors. Hop. Je tente de traduire un petit peu l'élément qui concerne le Bridgewood. ROD. C'est étonnant parce que ça pourrait dire un bâton. Un bâton de brise, mais ça n'existe pas ça, le bâton de brise. Jamais vu. Jamais vu ça. Allez, hop, on descend tranquillement par ici. Donc je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo les liens vers cette news. Et puis j'espère trouver la news en français, mais à l'heure où j'enregistre, elle n'est pas encore présente sur le site minecraft.fr. Alors. Ici, il n'y a rien. On entend le blob. Ouais, on peut descendre là. Même si c'est pas ici que ça va être le plus pertinent. Hein, ici, on a. Allez, on va les laisser bosser. Hop. Allez, on s'en fout. Hop, 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 hop. Alors quand on a trop de loups avec nous, ça devient compliqué en fait hein, d'interagir. Et c'est pour ça que j'utilise pas l'épée. Parce que sinon, je frapperai mes loups par la même occasion. Donc là, c'est bon, on a tout libéré. Ouais. Hop. Les prochains, ils sont par ici. Et on laisse faire les loups. Eh bah oui. Ah punaise. Hop. Un petit coup de lenteur, c'est pas trop grave quand on est ici. Ça pourrait l'être un peu plus. Hop là. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Là. Hop. Hein? Ah bah dis donc. Ça te flingue là. Non, je l'ai pas vu.
Il y a encore du monde à venir. C'est encore allumé ici, donc voilà, potentiellement il reste encore du monde à spawner. Ça y est. Bon bah c'est pas très intéressant là. Le spawn n'a pas été extraordinaire. Donc c'est pas ici que je vais récupérer les nouveaux éléments, me semble-t-il. Mais bon, c'est pas si mal que ça quand même. Alors, on va redonner un petit peu de... Quoi ? C'est étonnant ça. Il y a des zombies. Alors ça, je me souvenais pas du tout. Normalement, il n'y a pas de zombies ici. Non, c'est étonnant. Alors, hop, on termine avec la dernière chambre d'essai. Enfin, la dernière zone de la chambre d'essai qui, bien entendu, n'est pas de ce côté-ci, mais plutôt de l'autre côté, là-bas. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a rien qui spawn. Donc, mon ami le Breeze est normalement par ici. Oui. Oui ou non? Oui. C'est parti. T'es où? T'es où? Ah, c'est ça le bâton. Oui, le voilà. Génial. Bon, on peut se barrer. Le chacal qui se barre. Je laisse mes animaux. Hop là, t'es où? Il est où? Il est où? Ah, voilà. Allez, hop, un deuxième. Ouais, je vais pas laisser ça traîner. Hein. Hop là. Comment ça, je t'ai laissé là, toi? Oh, mon pauvre. Hop. On a fait le plein. Et on récupère, hop, ceci et cela. Et on se barre. Bon, ben voilà. On a récupéré l'élément... Alors, je sais pas si c'est l'élément principal, mais... Il était marqué... Le Breeze Road, c'est bien ça. Et le noyau lourd... Par contre, ça, je l'ai toujours pas. Donc, je pense que j'ai un bon début avec ce bâton-là. Mais il me manque encore le noyau qu'il me faudra retrouver pour pouvoir finaliser la construction de cette masse qui, donc, potentiellement, sera une arme... assez monstrueuse pour les combats de mêlée, parce que donc semble-t-il plus on tombe de haut, plus les dégâts qu'on va faire en tombant vont se répercuter sur les autres, un peu à la manière du marteau de Thor, me semble-t-il. C'est
Alors, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Est-ce que c'est rigolo? Oui, certainement. Une référence à Thor. Pourquoi pas? On verra ça peut-être dans le prochain épisode. Là, en tout cas, on a récupéré donc la première partie des éléments indispensables pour fabriquer cette nouvelle masse, cette nouvelle arme dans Minecraft. Et je vais me renseigner au plus vite pour trouver où se trouve la deuxième partie. Je pense que c'est toujours dans les chambres d'essai. Mais j'aimerais bien en avoir confirmation avant de partir un petit peu comme ça, là, comme j'ai fait, un peu à l'arrache. Donc voilà, la Breeze Road. Allez, on va la prendre en main et puis on va se mettre devant la maison. Hop. Pour montrer qu'on l'a bien récupérée. Voilà. On est équipé. C'est pas très très visuel tout ça, hein, mais on va essayer comme ça. Non, poussez-vous les chats, poussez-vous les loups, poussez-vous tout le monde. Hop là, je suis équipé de la Breeze Road. Et il me manque plus que maintenant le Heavy Core, donc le cœur lourd, le noyau lourd, pour fabriquer. Alors, mais ce que je me demande, c'est où est-ce que je peux le fabriquer? Je peux fabriquer une charge de vent? Ah oui, bah d'accord, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre de... J'ai les charges d'ailleurs. Où est-ce que j'avais mis ça? Là-bas, je crois. J'allais vous dire au revoir, mais en fait, non, je vous garde encore un petit peu parce que j'avais un deuxième élément et je me dis que potentiellement, il me manque quelque chose. Que ça vient d'apparaître, donc je ne l'ai pas récupéré là ce coup-ci. Mais... Hop, est-ce que c'était... Non, pas ici. Non, pas là. Là non plus. Zut, je ne sais plus où c'est. Mais c'est quelque part. Et on va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais. T'as envie de dormir ici, t'as plus de place. Bon, eh ben, on verra ça plus tard. Allez. On a déjà donc les premiers éléments et je voulais... Oh là là, c'est pas vrai, je pense à autre chose à chaque fois. Regardez ici, voilà, donc pour l'instant je peux rien fabriquer de spécial, mais peut-être que ça va être là. Et oui, là voilà. Et donc ce qui me manque, c'est bien ceci. Mais j'ai maintenant tous les éléments, donc ceci je l'ai, et il ne me restera plus que trouver ça pour pouvoir fabriquer la masse. Que j'imagine on va pouvoir ensuite enchanter, ce qui pourrait être très très sympathique. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure-là avec la fabrication de cette masse. Mais il faut que je trouve ce Heavy Core. Je cherche l'endroit où je vais pouvoir le récupérer. À très bientôt.